Et bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, j'ai une petite envie d'Hadès. Donc, let's go, hein. Et comment vas-tu, Nini? Heureux. Et merci pour ton lurk, Winter. Du coup, nous, ça fait 2 mois quasiment que j'ai pas touché à Hadès. J'espère que j'aurai pas perdu en skill. Ouais, j'ai dû baisser la qualité du stream parce que dès le début du stream, j'ai eu une alerte OBS concernant surcharge de l'encodage. Donc j'espère que ça va pas être négatif pour vous. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, j'ai du ZA pour récupérer de la vie. Celui-ci, qu'est-ce qu'il fait déjà? 1500 points de dégâts à deux ennemis successivement. Ouais, on va le garder pour voir. Tac, fini de bavarder, mets-moi une raclée, mon gars, allez! Qu'est-ce qu'on va prendre comme arme? Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Vous possédez la lance de givre, mais votre vie est réduite et vos soins sont moins efficaces. Ah, mais est-ce qu'elle fait plus mal aussi? Touk 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 touk. Votre attaque est lente mais plus puissante. Votre technique explose en vol. Votre balayage vole de la vie. Oh, le balayage! Mais ça, j'en utilise jamais. Là, c'est pareil. C'est une histoire de balayage que je n'utilise pas. Lorsque vous utilisez votre technique, vous pouvez ensuite récupérer votre lance avec précipitation. Bonus de dégâts. Touk touk touk. C'est celle-là du coup que j'ai prise ou pas? Ouais. Je suis pas convaincu, mais bon, pourquoi pas, hein. Merde, mais non, je voulais pas ça. Ouais, donc si, c'est bien celle-là que j'avais. J'avais pas fait gaffe au point. Combien il va falloir qu'on mette de température? Putain, faut qu'on mette 8 en température. Qu'est-ce que j'avais mis, moi? J'avais mis 3 en mesure d'urgence. J'avais mis les pièges qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mal. Et du coup, il faut que j'en rajoute une. Plus de dégâts, non. Restaure moins de vie. Plus cher. Plus. Non, je pense qu'on va peut-être mettre le. Ça là, je crois. La plupart des ennemis en armure. Non, non, pas ça. C'était lequel où il fallait que je les touche plus? C'est l'assurance vie. Ouais. Bon, on va tenter avec ça. Bon, moi, je pense que je suis rouillé, hein. Donc, on va peut-être pas aller très loin. Bon, un marteau de dédale pour commencer, ça c'est très bien. Notre attaque a une portée plus élevée, 40% de dégâts aux ennemis éloignés. Le balayage, je ne l'utilise pas. Votre attaque dans 3 directions. Va pour les 3 directions.
Alors. Ah oui, c'est vrai que ils ont du coup le premier coup où ils sont protégés. Ok. Ça se passe bien. Ok, on a Chaos qui s'ouvre. Ah, mais il y a du Athéna par contre derrière. Il y a du Athéna. Putain, j'hésite. Non, vas-y, Athéna. Athéna, parce que si je peux avoir l'élan avec bouclier. Ça m'arrange. Ok. Mon soutien ne suffira pas à vous faire réussir, Zagreus, mais il a son rôle à jouer. Technique. Ah, l'élan. L'élan, je m'en fous, mais même si j'ai plus. Non, 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 je veux l'élan. Pour renvoyer justement les attaques, c'est beaucoup trop utile. Qu'est-ce qu'on prend? Des obsidiennes ou du nectar? Je sais pas si le nectar, quoique je crois que j'ai un bonus quand je ramasse du nectar. Ça m'augmente peut-être un bienfait, donc. Faut par contre que je fasse gaffe au piège. Ah voilà, ça augmente d'un niveau l'un de mes bienfaits. Donc là, du coup, par exemple, l'élan divin. Niveau 2, ok, on passe à 16, on était à 10. Dionysos, bah bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ok, par contre, on a des. Par contre, ils ont des armures. Donc, ça, c'est pas. Putain, du coup, à l'écran, il me faut plus de. Étant donné qu'ils ont la protection que je leur ai offert là, pour le premier coup. Je les fracasse pas en une fois. Hola, qu'est-ce que? Comment ça va, Omega Arma? Moi, ça va bien. Hein. Petit retour sur Hadès après 2 mois. Donc, un peu rouillé. Donc, j'espère que ça passera. Alors, ça baigne en bas. J'imagine que ouais. Oh. Par contre, attends un peu, mec. J'ai ce truc-là pour toi. Let's go, Cookie! Tu t'entraînes pour le 2? Bah, j'ai hâte que le 2 sorte, mais je me demande ce qu'il en sera. Parce que je vois pas trop ce qu'on peut faire de plus, en fait, au niveau du lore, en tout cas. Puisque déjà là, moi, je suis en. Là, je fais des runs en température. Du coup, j'ai pas grand-chose de plus en lore. C'est juste que j'aimerais bien en fait valider toutes les prédictions par exemple. Ok, ça marche pour ton lurk, merci Omega. J'aimerais ouais valider les prédictions des moires. Donc voilà, en gros, je m'amuse, mais je trouve que c'est un petit peu limité. L'appel. Tac, tac, tac. Votre vie augmente lorsque vous ramassez du nectar. Déjà, j'ai de la vie max, moi, quand je ramasse des nectars, qui augmente de 5. L'appel, je m'en fous un peu de celui de Dionysos. Je sais pas, j'hésite. La technique. Voilà, ouais, allez, vas-y, la cuvée de prestige.
Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que donnera l'Hades 2, ça c'est sûr. Mais je me demande ouais, ce qu'il en sera du lore. Ah oui, cool, vous en plus, il vous renvoie vos boules dans la tronche. Par contre, faut que je fasse gaffe au piège. Que je fasse gaffe au piège et... Oui, c'est ce que j'ai fait aussi, pousser l'histoire au maximum et je suis monté à... Oh ouais, quand même, température 20. Là, je suis... Avec la lance, je suis à température 8, je crois, là, sur cette run. Coin de pêche, j'aimerais bien avoir le coin de pêche, mais chez Chaos. Après, c'est pas dit, non, je prends rien. En plus, j'ai pas masse de thunes. On va aller voir Poséidon. Ça en plus c'est cool, je vais pouvoir leur renvoyer leur bombasse dans la gueule. Ok. Bon, la reprise se passe quand même bien. Ohé, neveu, ravi de te revoir et en bonne forme, qui plus est. Allez, viens, on va faire des vagues. Mon attaque, ma technique. Inflige des dégâts. Vas-y, va pour l'attaque. Je l'utilise plus, je pense, que ma technique. La 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 la. Let's go. Ok. Bon, franchement, ça fait du bien la triple pointe aussi. Parfaitement parfait. Tu le fais tellement bien, Coquille. Et sur l'enregistrement, c'est pas la petite vieille, hein. C'est Moutafoukaze, c'est le chéri. Ah bah oui, bien sûr, on prend l'épreuve du trésor. Allez, faut vite les défoncer, par contre. Bon, par contre, c'est un petit peu bidon le fait que... Bah, le fait qu'on leur a mis une petite vie supplémentaire, ça va beaucoup moins vite. Mais bon, on a quand même récupéré pas mal de pièces. On a de la bouffe, donc tout va bien. On va pouvoir aller voir Charon. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Oh, ça par contre c'est cool, on va pouvoir voir. Ah, je me rappelle plus de son nom. C'est pas Achille, c'est je ne sais plus. Par contre, Aphrodite, c'est un petit peu de la merde. Mais bon, vas-y.
Ma technique, moins de dégâts lorsqu'il se trouve près de vous. Lorsque vous subissez des dégâts, vous en infligez aux ennemis à proximité. J'hésite, j'hésite. Mais non, Afro, c'est trop fort. Ah ouais, tu trouves? Moi, j'aime pas du tout les. J'aime pas du tout les bénédictions d'Aphrodite. Je joue énormément le soutien de d'Artémis. J'aime beaucoup le renvoi sur mon élan donné par Athéna. Oh Derry, comment tu vas Derry? Après j'aime beaucoup aussi j'aime beaucoup Arès, j'aime beaucoup Poséidon pour la pousser pour bah, l'explosion contre les murs, etc. Mais Aphrodite, c'est pas trop mon truc. Dionysos, j'aime beaucoup aussi pour le fait de boire dans les fontaines qui te rend toute ta vie, par exemple. Bah, ça va super, moi aussi. J'ai eu une petite envie d'Hadès en cette fin d'après-midi. Ça faisait depuis le 13 septembre que j'y avais pas touché. Du coup, je sais pas si je vais réussir à aller loin, mais on tente le coup. Du coup, qu'est-ce qu'on prend? Hop, hop, hop. C'est l'ultime qui est fort. L'ulti d'Aphrodite. Moi, comme je te dis, celle que j'aime beaucoup, c'est celle d'Artémis. J'hésite entre dégâts de vengeance et la résistance. Allez, vas-y, va pour la résistance, mais bon. C'était pas mon kiff, kiff, ça va le faire, t'inquiète, j'espère, j'espère. On va voir. Besoin d'un petit remontant, peut-être? Ouais, vas-y, donne-moi des thunes. Hein. Lui, je crois que si je lui offre un nectar, il me met un bonus, mais un bonus tout pourri sur je ne sais plus quoi. Vas-y, tiens. Thank you for keeping my friend company. Well, cheers. Qu'est-ce que tu m'as donné du coup? Plus 1%. Ah oui, d'accord, c'est ça, c'est les dégâts d'attaque du coup. Je sais plus si c'est que sur les dégâts d'attaque ou si c'est sur tout. Ou si c'est sur, je veux dire, des trucs au hasard. Mais bon, pourquoi pas, hein, on prend. Ok, du pognon. Une fontaine, même si j'en avais pas besoin. Grenade ou pognon? Grenade ou pognon? Grenade. Allez, bien sûr, vous mettez des pièges. Merde, putain, là. Ok. Faut bien faire gaffe aux pièges. Ok, ça passe. Je me suis pris un petit peu de dégâts, mais ça passe. Delicious. Ma frappe marine, bien sûr. On va péter les pots, parce que comme j'ai la bénédiction de Méduse, il y a possiblement de la vie. Et ben pour une fois, il n'y en a pas, à moins que je l'ai déjà pris sans m'en rendre compte. Grenade, vas-y, on va voir à nouveau Charon. Qu'est-ce que tu me proposes? Cool, cette fois tu me proposes du Poséidon. Ah, la collision. Oh oui, ça c'est bon. Bim. Ok, j'hésite même à prendre la grenade. Toujours mon attaque, ouais. Salut poteau!
Et let's go, on va voir les frangines. Les frangines qui bénéficient d'un bonus à cause des températures. Génial, elles sont trois. Vous êtes prêtes, Mégère, Tisiphone, allons-y. Par contre, merde, j'ai récupéré la... J'ai récupéré la vie. Ah putain de sœur. Putain. Non. Ok. Ok, là je m'en suis pris plein la tronche. En plus, j'imagine que c'est considéré comme des pièges. Et les pièges me font 400% de dégâts. Ouais. Bon, de toute façon, il y aura la fontaine. Déjà, je suis content, j'ai pas cramé un refus de la mort. J'hésite à revendre du coup le bienfait d'Aphrodite. Après, ça m'a peut-être sauvé hein, pendant le combat. C'est vrai que j'utilise pas le lancer. Ouais, vas-y, on continue. Bon, en tout cas, c'est cool, on a validé les sœurs. Première fois avec la lance à cette température. On va peut-être avoir de la vie là-dedans. Génial. Les clés, je crois plus en avoir besoin. J'aurais peut-être dû modifier le gain. Ok, on a de la vie. Tiens, vas-y, va dans la lave. Merde, putain, je me suis pris un dégât. Donc je fasse gaffe à la lave aussi, parce que c'est considéré. Comme un piège. Euh, 150 balles, est-ce que je prends le risque? J'ai peur que ce soit trop long à combattre et perdre de la vie connement, donc on va aller voir Hermès.
Allez, je rentre à casa. Bon courage. Peut-être à toutes si tu restes un peu, ça marche. Bon retour, Yano. Merde, putain, je suis allé dans la lave. La lave, ça me fait tellement mal. Faut pas que j'aie peur d'eux, parce que du coup, je peux renvoyer leurs attaques. Putain, je suis allé en plein dedans. J'ai pris pas mal de dégâts. Vas-y, donne-moi des élans supplémentaires, toi. Alors, Kouz, comment est-ce que tu trouves mon associé, le redoutable Nosher du Styx? Je sais, il est très réservé, mais il ne manque pas de cœur. C'est pour ça que je travaille encore avec lui après tout ce temps. Let's go, deux élancés de plus. Deux élans de plus, ça c'est contre le padré, c'est tellement utile pour s'échapper loin de lui. On va pas se taper un. C'est quoi en plus? Oh non, pour une clé, se taper un boss, non, non. On va aller voir Charon à nouveau. Du pognon, de la vie. Putain, mais tu fais chier avec Aphrodite. Alors, l'élan divin, le typhon déchaîné, ouais. J'hésite même à prendre. On a un boss avec Athéna. J'hésite même à prendre de la vie. Et Mato, comment tu vas? Allez, on y va sans prendre de vie, on garde notre argent. Haha, bon jeu, exactement. Un bon jeu, mais ça fait presque 2 mois que j'y ai plus touché. Donc je suis un petit peu rouillé. Donc j'ai. Ah putain. J'espère que ça va passer. Ça c'est très bien. Moi je vous les renvoie dedans. Faut pas que j'oublie qu'il faut que je les fracasse contre le mur. Pour leur faire bien des dégâts. Voilà, les dégâts de collision avec Poséidon, ça fait tellement du bien. Ça va et toi? T'inquiète, Coquille, ça revient. Bah moi ça va nickel. Ah mais tu fais chier ton soutien là qui. Non, bah non, moi je veux croiser Artemis dans la run. Technique, rester plus longtemps. Non, bah vas-y, hein, la technique. Je veux le soutien d'Artémis, ou au pire de Poséidon. Ah, t'as déjà réussi à faire les associations parfaites des dieux pour avoir des duos? Tu parles? L'obsidienne, je m'en fous. Bon, bah tant pis, hein, j'en ai craqué trop. Oui, j'ai déjà eu des duos bien sympathiques. Le duo qui te rend de la vie quand t'as plus de refus de la mort, j'aime beaucoup, beaucoup. Mais il faudrait que je les étudie un peu plus. Parce que je les ai pas tous eus, justement, j'aimerais bien valider toutes les. Valider toutes les. Merde.
toutes les prédictions des moires. Merde, putain, j'étais coincé. Faut vraiment que je fasse gaffe. À la lave. Putain, je me suis pris tellement de dégâts. Ouais, je les ai tous eus, je suis d'accord avec toi, il y en a, ils sont cheatés. Moi, il faudrait, faudrait justement que j'étudie un petit peu... Merde, c'est où? Non. J'arrive plus à faire apparaître le... C'était là-dedans pourtant, non? Putain, mais... Je trouve plus la façon de faire apparaître le bouquin. Tu comptes rajouter d'autres récompenses en échange de tes croquettes? Bah y en a pas mal hein, déjà. T'as la carte de tarot, par exemple, ça m'a pris énormément de temps de les créer. Enregistrer, découper plein de sons aussi. Avec Isaac, Zot, etc. Ah ouais, d'accord. T'es au courant que t'as déjà une commande.